Attends, mais par contre, l'invade level 1. Ouah, il faut que je colle le mur comme ça. Bah ouais, mais c'est catastrophique. Il y a flash pour flash. Non, c'est bon. Bon, start gem contre Warwick, c'est pas la fin du monde, mais... Ok. Salut Étienne. Bah moi j'ai enlevé aussi le chat parce qu'en vrai ça te distrait plus qu'autre chose et les gens sont là que pour t'insulter la plupart du temps. Ils sont plus là pour te ping les erreurs que de communiquer pour certaines actions. Donc y a pas grand chose à faire avec eux. Donc je suis plus aussi de mute. Mais par contre les pings c'est important quand même de les avoir. J'aime pas cover cette saison, tu m'étonnes. Je vais l'aider level 1 parce que si Warwick nous invade... Je suis pas trop fan hein, d'un start-up, mais... Le Warwick Kane, si nous avait invade, ça aurait été galère. Alors par contre, c'est vrai qu'il faut faire le tour de fou. Parce que passer par là... Enfin, peu FF. Ce qui est bien par contre, c'est que tu peux plutôt prendre de cheese niveau 1. Y a personne qui peut t'attendre là et faire un move, tu vois. Parce qu'après, faut qu'il retourne par là. C'est un peu une galère. L'objectif contre un Warwick, c'est vraiment de push... de pas push, pardon, l'early game. Et de farm up. Vous allez pas lui faire de damage en début de partie. Il a trop de stats. Oh, le jump était dégueu. Il a trop de stats, le Warwick. Donc, faut farmer. Et en plus, il a pas envie trop de trade pour le moment. Donc, c'est parfait. Et vu qu'il a bien push la wave, je suis bien en farm. On n'est pas dans une zone à risque. Skull, y a un nouveau sub. Ouh, déjà. Merci Mishka. Merci monsieur pour le prime. Ça ping déjà le jungle alors que ça meurt en 2v2 bot lane. Ah non, il y a eu le Kane, je suis con. Oui, aïe, aïe. Non, les sbires qui arrêtent... Ok. Les sbires qui arrêtaient tous l'aggro. Je vais ping le miss quand même, my bad. Même si je pense pas qu'il est décalé. Paraît un peu tôt de décaler. Mais bon, Warwick, ça peut... Peut-être. C'est le Jarvan qui a full ping. Ah. Ah, parce qu'il lui a fait sa jungle. Ok, c'est pour ça. Oh oui, il doit être déjà tellement tilté, le Jarvan. Ok, nice. Pour le gameplay. Oh, le gameplay de mon Warwick là. Ouh. Ah, c'est très inflated Warwick quand même, hein, mais. Mais là, ce qu'il a fait était moyennement légal, quoi. Oh, Kane est overfed, la botlane est overfed. C'est très très dur de carry avec Gnar. Une game où ça go next aussi vite. On a une belle wave. Oh, le bot intermédiaire. J'ai pas envie d'avoir la lane qui se fait trop push parce que il y a le camp qui est important à faire. Pas très propre mon hit and run. Mais le problème c'est qu'il y a déjà toute la famille qui est mid, enfin qui est top. Oh,
My bad. Wow, les mécaniques de son champion. Il m'a suivi. Bon, le perso est drôle. Ça, on va pas lui reprocher. La mécanique est marrante, mais... Ce bordel, le truc m'a poursuivi à l'autre bout du monde. J'ai acheté les potes aussi. Ah, je sais pas si j'ai le temps d'aider. Non, ils ont déjà tout pris. Le Warwick qui admire la game. Dommage. My bad, j'aurais pu la sauver la Janna. Je voulais essayer de faire un petit move. Il était complètement con. Je pourrais pas garder la lane freeze, dommage, j'ai voulu essayer mais... Elle est peut-être winnable, hein. Ah, c'est seulement mon auto. Elle est peut-être winnable, on voit la game. Genre vraiment, mon adversaire ne sait pas jouer au jeu. Genre vraiment, il va appuyer sur A, il va me courir dessus, donc on va essayer de le hit and run. Au max. Ce qui est bien avec les stuff, c'est que Gnar a pas trop été impacté par la nouvelle metagame en termes de stuff. Par contre, vu que tout le monde fait très mal, c'est un peu plus difficile pour lui de gérer, je pense. Donc c'était pas un champion top tier avant, je pense que ça le sera pas trop là-dessus. Ok, il part trop loin le Kayn, je pourrais pas trop le déranger. Ah, c'est Kayn. Il est déjà parti à l'autre bout du monde. Oh, le chase qui coûte au final. Donc, clairement on peut pas freeze ça. Le chase qui a l'air de coûter très cher. Et bah écoutez, je crois que le sbire canon face à moi va gagner cette game. Ça va l'air compliqué mais il commence à être un peu trop bien déjà en face. Ça a pas très très bien farmé. Et bon, Kayn overfed, ça one shot tout. Syndra, ça one shot tout. Enfin, je sais pas qui chope la mouse speed, mais c'est relou. C'est pas bon ce que j'ai fait. Jarvan, il a lancé une game de LOL pour pas la jouer, hein. C'est un concept. Ok, je vais back après cette wave. Il y a un Kayn overfed bien énervé là qui peut venir à tout moment. On a eu 0 stack de la bestiole aussi. Bon, quoique en vrai je peux prendre une plaque et tout. Faut que je grid en vrai dans cette game je pense. Ok nice. Ok. J'avoue que je vois pas ce qu'il voulait faire en faisant ça, mais je pense qu'il avait pas visualisé le move. Le Blitzcrank qui redécale forcément, il y a la Leblanc qui est en timing back donc on pourra pas le faire. Malheureusement le camp. Il y a Blitzcrank qui est encore une fois au taquet. Ah, la bot diff elle fait mal. Hein. La bot diff fait extrêmement mal. Et si on arrive à en récupérer deux, c'est bueno. Chier.
Je peux pas jouer. Ok, il y a le Warwick qui a troll. Le Warwick il est en train de run down la game et d'une force. Il y a toute cette team qui doit être en train de l'insulter. En vrai c'est mieux ça. Ça c'est super cher la brillance. Warwick il a préféré chase que faire le fight. Ok, on a eu les deux stacks donc c'est parfait. Hein. Là le blanc il joue de fou. Ouais, c'est qu'elle tue pas, c'est bien, elle a pas été débile. Il a allé chase la Janna à la place de faire un vrai fight, ouais. Sur ton tout premier kill, t'aurais pu ne pas flash. Alors là, les gars, je suis désolé, mais... Vous me demandez un truc d'il y a 10 minutes. Peut-être, je vais te répondre. Mais les questions, si vous pouvez les poser avec un délai un peu moins grand que Internet Explorer, je dis pas non quoi. Ouais, il a mieux dodge que le Warwick, le grip. Il m'a fait un demi-tour. Oh la vache. Et quand c'est mon tour. Non, ma petite Leblanc. On lui met 50 CS, on a pris deux plaques. En fait, il sait pas se positionner, il a pas la stit, il sait pas jouer son perso. C'est vraiment le Warwick originel là. Alors, il fait plein de misclicks tout le temps. Tout le temps. Après, il est juste en mode bah je regen, je pense. Par contre, moi je devrais back Trinité là. On va juste prendre la wave. Là, quand je te dis les clics inutiles qu'il fait là. Il vient de prendre un trail à 300 de damage. Peut-être plus même. Oh, je suis sûr, ça va toucher. Oh. Je vais pas tenter de le dive. Pour Russier. Y'a plus les plaques, on a déjà fait ce qu'il y avait à faire. Heureusement que t'as de l'antil. Ah bah si tu fais pas d'antil dans ce perso, tu joues pas. Prendre des bottes de Mercure. Je vais prendre ça, puis après un round 1 quoi. Oula, les misclicks. On prend la tour. Nice, ça va bien. Et avoir Warwick qui a décalé. Killing spree. Oh la vache. Ah bah oui, c'est vrai qu'il a pris 2 kills tout à l'heure. Oh, le gameplay qu'il a lâché là. Nice, il a eu le shutdown en vrai. C'est pas mal, hein. TFF vote, c'est intéressant. Ouf. A mis quoi? Tier life. Ça fait trop peur.
Ok, je panique là, je mislick partout. C'est nice. Et changement sur le build de Gnar, non, je pense pas. Je pense qu'on est sur du ultra basique. Terra, couperet noir, ouais, le breaker dans certaines games, tu vois, mais. Mais rien de transcendant. Le rang 2 Insterac et tout marchera bien avec la Trinité. Mon positionnement. Il a lit titanesque. J'aimerais bien qu'on essaye de fight le héros de la faille, mais. Ah, je lui mets le double de CS. J'ai l'impression que là, le blanc, elle est en train de choke. Bon, là, on va peut-être pas faire le héros de la paille, du coup. Ok, ça va. J'avoue que le Jarvan qui m'a pas follow là-dessus, j'ai commencé à transpirer. Faut juste essayer de le cesser. Ok, bien. Ils ont pas l'anti-heal cette fois, donc je pense que ça va être dur. Ouais, difficile. Ah, le Jin peut rien faire de plus, frérot. Ouais. Je pense pas que je finisse, hein. On va faire ça plutôt. Salut Rosa. On a fait claquer deux flashs, si je dis pas de bêtises, et on a fait claquer l'exhaust du Blitz aussi. Sur cette action, c'est pas dégueu dégueu. Je devrais pas être top. C'est bien, là, le blanc, elle a bien réagi sur... Oh, dommage, la Janna qui va là-bas. Là, le blanc, elle a bien joué le truc, mais... Allez, il commence à être bien dans la game, hein. La vache. Il commence à être bien dans la game, le monsieur. Putain, il arrive à lâcher le FF bot pendant la mort, quoi. Oh, Jin. Oh, Jin. Oh, Jin. Non, faut aller se faire foutre. Oh. Ok, quand même. Oh, ouais, il a mis Uzi dans son pseudo, frérot. Hein. Putain, il a quand même fait le doublé, quoi. Wouah, ce qu'il a fait, le Jin. Moi, j'ai plus le temps de TP. Tu mettais une Jaxxo dans ton self, c'était pas dégueu. Non. C'est de la merde. Par contre, je sais pas quel item MR faire là. Je pense que l'item shield peut être pas mal. Ah, la Janna, elle aime trop ça. Warwick, il doit faire le même truc. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire ce...
Oh, j'ai raté mon jump, j'ai fait non. Quand j'ai raté mon jump, j'étais en mode ouais, fait. Ça a failli refaire le même move, je te jure. Ah. Là, je sais. À la fin de l'animation de son A, ah, il a quand même pas pris mon ult. Ok. Merci le blanc en tout cas pour la TP. Ah là, j'ai rip. Gnar, ça se jouait pas Trinité avant les thèmes mythiques. Si. Il y en avait, ça dépendait. Il y avait d'autres items. Il y avait le maillet gelé, il y avait d'autres items qui étaient hyper value aussi sur Gnar. Mais ça se trouve c'est même pas le meilleur item à prendre hein. J'avoue j'ai pas de théorie craft de fou Gnar hein. Enfin pas du tout même. Normalement tu peux le setter pendant le travel time. Non, pendant le travel time je peux pas. Ça c'est sûr. Pourquoi je tape pas le canon? Et on voit leur baron. Maillet gelé qui était un item jouable sur Gnar et puis ça s'arrêtait limite à ça. Ça a l'air indéfendable là, on a aucune ward. C'est dommage vraiment qu'il y ait ce tube gap dans la game. Merde, j'ai envoyé trop loin. Les canons et moi les gars, on se déteste. Par contre juste avec une trinité j'avoue que mes damage... Putain. Je pensais tellement pas faire un fight. Je pensais tellement pas faire un fight, my bad. J'ai claqué mon ulti pour rien du coup. J'ai été vraiment idiot. Je lance des spells au pif. Hein. Ok. Comme tu détestes les canons. Le seul Black Cleaver m'a gelé. Ouais, c'est bien raciste comme build. Hein. Il était bien disgusting. Voilà, j'avoue que je suis chaud d'une Jack Show. Par contre, en dernier item, ça doit pas être dégueulasse là dans la game. Vu les stats. T'as pris toute leur base, ouais, mais la macro elle est inexistante dans cette game, ça se voit. Ça veut que fight. C'est cool de refaire une petite game de Gnar. Je manque juste un peu de damage, mais j'avoue que je tank bien.
Ouais, il est vraiment one-head. Hein. Purée, il a pas envie de faire d'effort. Hein. Ok. Il y a l'autre canon que je dois réussir là. J'avais raté, je me coupe une couille. Je te jure, ils me mettent plus la pression que le Warwick, les vire canon. Mais c'était quoi son level? Il a pris deux fois le mur, on est d'accord là avec son truc. Il a bouffé deux fois le mur, le Kane. Holy shit. Par contre, je sais pas comment j'ai des teammates qui meurent à ce moment-là avec deux personnes en moins dans la map, mais... Ouais, mais lancez vos spells à l'endroit, genre. Il est pas très bien passé Jordan là. Il a touché son R parce que la Janna a mis son ult. La Janna elle a compris ses mécanismes. Ok, nice. Wouh, on gagne des games les gens, on gagne des games. J'ai dit hein, la seule erreur pour l'instant aujourd'hui comme défaite c'est parce que j'ai fait une game Ramius. Oh là là, vache. La game de bot intermédiaire, elle est incroyable, hein. Putain. 14-22, wouh. Wouh. Putain, le truc, c'est que le Jarvan, j'ai presque envie de l'honor, mais c'était une merde humaine, donc on l'a juste report, mais bon. Pa, peut-être Diamant 2. Electric Callboy, ça te dit quelque chose? Ouais, un peu, ouais. J'ai débuté deux fois en concert, c'est un banger. Il a deux victoires. Attends, faut que je regarde son historique. Peut-être qu'il a juste commencé maintenant, mais... Mais j'avoue qu'il avait un gameplay. Il est... Ah ouais, 5 défaites. Mais il joue pas du tout Warwick. Il joue pas du tout Warwick le type normalement. Genre jamais, il joue jamais Warwick. Dans toutes ses autres games, c'est pas un top 10 de ses champions. Il a pété les plombs. Il y avait le Ezreal qui avait rage kit. J'avais oublié que le Ezreal existait. Ça se voit, oui c'est pas faux mais... Attends, il a joué contre un Warwick la game d'avant? Non. Il a lose it. J'avoue le Ezreal il a quitté quand? Ah, tu m'étonnes que la game devenait plus simple. Leur mec overfed était plus là. Sur ce move là? Il a déco. Il a rage tilt. La game est encore archi winnable. La première mort. Qu'est-ce qu'il y a là, la première mort? Bon, ça va être un grab de Blitzcrank et... Même pas. C'était juste totalement out pause, ouais. Non, au top pour le Warwick. Ah, le fait que j'ai claqué mon flash. Oh, j'avoue, my bad, j'ai pas regardé, mais... Si tu trouves que le flash était pas bon, le flash était pas bon, au pire.